vous le savez, la NAFA ne va pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. Mais nous allons nous battre pour être présents à l'Assemblée, pour pouvoir contrôler l'Assemblée. Et les dispositions de l'article 46 de la Constitution disent que ce sont les partis, il faut que vous le sachiez, c'est les partis qui auront le plus grand nombre de députés là, ce sont ces partis-là qui vont diriger le Burkina Faso. Il faut que vous le sachiez. C'est les partis qui auront la majorité à l'Assemblée qui vont nommer le Premier ministre. C'est les partis qui auront la majorité à l'Assemblée qui vont nommer les ministres. C'est les partis qui auront la majorité à l'Assemblée qui vont nommer les directeurs généraux. C'est les partis qui auront la majorité à l'Assemblée qui vont nommer les ambassadeurs. Donc c'est important pour nous de se battre pour que nous soyons majoritaires à l'Assemblée le 22 novembre. A été souhaité, on va dire, pour permettre à l'ensemble donc, des responsables, les personnes ressources donc, de la NAFA au niveau donc, du Kadiogo, de pouvoir se retrouver pour davantage communier. Vous savez, nous sommes à quelques semaines donc, des élections. Le but ici, c'est vraiment d'échanger sur des informations stratégiques, mais aussi avoir s'accorder davantage. C'est quelque chose qu'on fait, on va dire, de façon informelle, mais là, il était de bon ton qu'on puisse normaliser ça, pour qu'on puisse se retrouver et s'accorder donc sur des éléments précis en vue donc d'occuper le terrain en attendant donc l'ouverture de la campagne officielle pour qu'on puisse y aller. Donc c'était aussi...